Non, bon, c'est pas à tous les coups qui va choper le sida, même s'il y a un risque. Non, elle rigole pas, encore lui, encore là. Non, fais gaffe la blondasse. Non, ça peut être dangereux. Non, si, regarde, mettons, tu te coupes, tu prends un couteau à pain, par exemple, pour couper du beurre. T'as des couteaux, c'est des bâtards, t'sais. Et le mec en face, il va te serrer la main, alors tu vois, il a gardé une verrue quelques semaines, tu vois. Et genre, c'est pile le jour où il va te serrer la main, tu vois, il va s'éclater la verrue avant. Non, mais en fait, franchement, je sais pas si c'est dangereux. Je sais pas si c'est dangereux, mais je trouve que c'est bon de prendre tes pour une connerie. Prendre un gros con dans ses bras et lui montrer pour la première fois. L'amour, c'est pas sale, c'est même hygiénique. Encore mieux, des fois, ça décape des merdes incrustées sur le tapot de la bagnole. Eh, savez-vous à quoi on reconnaît un gros con? Le gros con, c'est souvent la seule personne que quand on est en train de chanter des trucs sur les gros cons, eh ben, il est sûr que c'est pas de lui qu'on parle.